Les deux pincettes. Madame était au bal, monsieur était au jeu, et leurs gens, comme on l'imagine, sur le poêle assoupi, s'inquiétaient fort peu d'une pincette de cuisine, par eux dans le salon, laissée au coin du feu. Mais la pincette de leur maître, noble pincette, qui, de droit, seule avait jusqu'alors servi dans cet endroit, s'en inquiétait trop peut-être. Laissez auprès de moi cet instrument grossier. À quoi pense-t-on? Disait-elle. Voudrait-on mettre en parallèle et le fer et la rouille avec l'or et l'acier dont ma double branche étincelle? Comme monsieur, à son retour, tes valets négligents frottera les oreilles. Comme on vous renverra, ma chère, au feu du jour, vous chauffez avec vos pareils. Mes pareils, répond l'instrument roturier, madame, ainsi que vous sont faites. Et j'en vois, en dépit de l'art de l'ouvrier, partout je vois des pincettes. Mes efforts de cet art n'ont mis qu'une différence assez mince entre la pincette d'un prince et la pincette d'un commis. L'une et l'autre, ma sœur, quittent fort peu la cendre. L'une et l'autre, soit dit sans vous effaroucher, celui qui s'en sert prête leurs doigts pour prendre tout ce qu'avec ses doigts il ne veut pas toucher. Pensez moins à votre parure et pensez plus à votre emploi. La différence, au fait, n'est, entre vous et moi, que de la rouille à la dorure.